Salut, salut à tous les amis sur cette deuxième partie de Half-Life 2 épisode 2. On avait fini l'épisode 1 il y a quelque temps, on avait déjà commencé le début de cette suite en fait, de Half-Life 2 épisode 2. Et on était arrivé, si vous vous souvenez, si vous avez vu les vidéos précédentes, dans cette sorte de cavité avec des sorte de verre luisant et on devait continuer l'aventure ici. Alors, on va peut-être sauvegarder là parce que je sens bien le coup où je vais me faire fusil à pompe, pourquoi pas. Oh! Ah, il est avec moi, lui, ça va. C'est Gordon Freeman. Le Vortigant t'a dit qu'il allait venir. Docteur Freeman, Alix Vance est là-bas. Le Vort essaye de la retaper. Ok, mais d'abord, excuse-moi, je vais prendre de quoi me prendre des munitions, Coco, parce que. Voilà. Vous êtes partis où, les gars? Je vous vois plus. Prendre des munitions dans la caisse. Hein. Ouais, mais là, ça c'est bon. Bon, ils sont partis par là-bas. Là, c'est quoi me protéger? J'aime bien faire un petit tour avant. Pistolet, gravité pour ramasser la tourelle, non? Je pense qu'ils sont partis par le truc. J'ai pas vu, ils étaient partis. Attends, la lumière, s'il te plaît. Ok, là y a rien. Là y a un. C'est pas une caisse d'armes ça? Si. Voilà. J'aime bien faire le plein avant de partir. Ouais, bon, à mon avis, ça c'était juste pour ramener un peu de décor dans le jeu. Ah, ils sont en bas. D'accord, ok. Alors, si vous permettez, les garçons, je vais juste faire un tour là, moi. Parce que ça m'intrigue. Bon, à tous les coups, il y a quelque chose qui va popper là, qui va sortir de là. Je sens bien cette histoire. Ok, et là, il n'y a rien. Donc, on va descendre. Et je pense qu'on peut. On va se faire attaquer de tous les côtés, j'ai l'impression. On va aller là pour. Freeman. Ouais, c'est bien. Alix Vance est entre la vie et la mort. Les miens sont encore loin. Pour l'heure, il ne faut pas nous déranger. Ouais, d'ailleurs, à ce propos. Puisque vous êtes là, Freeman, donnez-nous un coup de main. Je vais vous montrer les capteurs de Fourmilion. On a des réserves si vous en avez besoin, des trousses de secours, des munitions. Ouais, j'ai vu ça. Allez, go les gars. Oh, c'est combat. Ce capteur s'allume si une fourmilion pénètre dans ce tunnel. L'huile de feu, l'huile de fourmilion. Ok. Quand le feu s'allume, on place quelques tourelles devant le tunnel. Ok. Pas compliqué, hein, Doc? Hey, Doc! Entends ici! On ne vous a pas suivi, hein? Ne l'écoutez pas, Doc. On est à cran parce qu'on est envahi de fourmilions ici. Ok, les tourelles sont là. Je te dis que tant que l'on ne marche pas sur leurs larves, si loin du nid, ils ne nous entendent pas. Ouais, c'est une théorie que je préfère ne pas tester. Il ne nous reste plus que deux tourelles. Et encore, ah merde! Remarquez, heureusement qu'on les a. Et je ne remettrai pas ma vie entre leurs mains. Allez. Hey, Grace, tu pourrais montrer au docteur Freeman là où on stocke les munitions? Ah oui, on va à côté du nord. Ouais, on l'a vu. Il faut pour se soigner. Ils arrivent! Voilà, j'ai placé deux tourelles. On bouge, et il faut défendre le vent. Ah, moi je laisse tirer. Hein.
Voilà. Je regarde s'il n'y a pas d'autres lumières qui s'allument. Doc, vous avez déjà vu une fourmilion ? Voilà, donc là il n'y en a plus. Donc je me prépare à prendre ça. À le mettre là, par exemple. Ah non, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Vite, vite, vite. Docteur Freeman, vous occupez de ces tourelles. Ouais, ouais, d'accord, attends. Hop, voilà. Et hop. Voilà. T'en laisses un peu, Griggs, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je dois changer. Par contre, quand ça va partir de tous les tunnels, ça va être chaud. Là, je vais se tirer tranquille. Hein. Je prends pas de risque. Alors. Me prenez pas mal, Freeman, mais c'était plutôt calme avant votre arrivée. Ouais, c'est ça. Là-bas, là-bas, là-bas. Ici. Vite, on va chercher la deuxième tourelle. Hop. Oh, j'ai le temps de... J'ai le temps de la mettre. Oh, il y en a beaucoup là. Tant que ça arrive pas jusqu'ici, ça va. C'est bon, terminé. Je sais pas. À vous de me dire, les gars. Oh merde. Vous gérez tous, Doc. Si vous voyez une bestiole sur moi, faites-la déguerpir la prochaine fois. Vite, 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 il y en a deux. Hop. Et une là-bas. Non, des deux côtés. Donc moi je vais m'occuper de cette partie qui est là. J'attends de voir s'ils arrivent tout près. Une tourelle c'est suffisant pour les avoir, les cocos. Oh merde! Oh. Merde, il y en a partout. Vite, un là-bas. Un ici. Voilà. Et je laisse les deux s'occuper de ça. Ça va être chaud. Ça va être chaud? Non, ça passe. Ça passe aussi. C'est gérable. C'est largement gérable. Hein. Ah merde. Pop, 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 pop. Ouais, deux secondes. Qu'est-ce qu'il a, ce trou ? Là-bas, mais non. Et là, je peux pas tout seul, là. Qu'est-ce que c'est foutu, là ? Allez. Il doit pas y avoir.
C'est dur, hein. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Oh merde. Vite, munitions. Ah merci les gars de m'aider. Putain, ça va popper dans tous les sens là. Bon les gars, Merde, le truc il s'est barré. Non, non, mais viens là. Hop. Ouais, niveau de l'adulte. J'ai vu qu'on t'attaque, mais laisse-moi. Oh putain. Waouh. Et c'était chaud. De feu. On tirera plus très longtemps. Bah non, tu m'étonnes. Ouais, attends deux secondes. Hein. Allez, on pose là. Non. Pas le jeter, mais quel con. Je suis en stress. Allez, c'est bon. Excusez-moi les gars, mais là je suis occupé là. Jamais à ce truc là. Trois feux, on a trois feux. Mais pourquoi il y en a autant? Je sais pas, mais. Je crois qu'on a estimé de travers. Soyez vifs. Ouais, soyez vifs. Prêt. Oh merde. Prêt. Trois feux. Ça va être terrible. Qu'est-ce que ça va être? Pourquoi il tombe? Oh merde, il y a un gros. C'est quoi ça? Ce sont les portes, ils ont réussi. Ouais, okay. Je le savais. J'essayais juste de faire plonger. Monsieur Freeman, notre retard est regrettable. Nous avons tué bien des fourmilions. Mais il en reste bien d'autres. Il faut s'occuper de la défense. Il faut les faire taire. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont nous aider? Ouais, ils vont nous aider. Enfin, il y en a partout. Oh, des tunnels. Ouais, attends. Pas censé être ici. C'est chaud, Kawette, hein. Garde, Freeman. Ouah, ça y est, ça arrive. Ouais, heureusement qu'ils sont là, ouais. Oh oh. Allez. Là-bas. C'est bon. Il ne reste plus que un là-bas. Et là-bas, de chaque côté du coup. C'est bon, il n'y en a plus.
Allez, Coco. C'est bien. C'est bon, j'ai déverrouillé un succès, ça s'appelle Dans la brèche. C'est tout? Nous les avons éliminés pour l'instant. Attaquons-nous à la prochaine urgence. L'Alix pense. Ses blessures sont graves. Il va falloir s'immerger totalement dans la vortissance. Il nous faut de l'extrait larvaire. Ah, oui. L'extrait. D'accord. Je vais faire le voyage pour aller chercher l'extrait au plus profond du nid, dans le nectarium sacré. Mais je ne pourrai jamais le ramener seul. Il faut survivre pour garder l'Alix Vance en vie. S'il vous plaît, Freeman, rejoignez-moi. Prenez le Freeman. C'est un incomparable. Ok, j'arrive. Bien sûr. Allez, on y va. Voilà, je te suis. Allez. On va sauvegarder ça parce que... Alors... Oui, tout droit. Ok. Bien pratique son pouvoir. À pépère. Ouvrez la voie. Ok, j'ouvre la voie. Oh. C'est ça que tu dois prendre, Coco? C'est ça que tu dois prendre? Je marche dessus des fois que... Non? Ok, zone de chargement, c'est pour ça que ça s'arrête là. Et voilà. Allez. On avance. Oh là, j'aime pas. Vous voyez ça. Araignée dans le coin. Oh, puis il y a des trucs là-bas. J'aime pas du tout. J'aime pas ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont me sauter à la figure. Oh. Triste loterie. Non, j'aime pas. Y a pas de musique, y a rien. Oh, alors ça, ça. Alors attends. On sauvegarde parce que là. Ouais, y en a. J'ai vu. Je les ai neutralisés. Okay. Allez, on avance. Wow, wow, wow. Oh, c'est quoi ça? Peut-être pas tomber là. Allez, viens, viens, viens. Attention aux acides de lion. Hein? Leur jet corrosif permet de percer des voies dans la roche. Ok. Mais ils servent aussi à faire fuir les voleurs d'extraits comme nous. What the chuches? Voilà. Là-bas, je vais passer. Ils sont là-bas. Ils arrivent. Voilà, si je peux les avoir à distance, ce serait encore mieux. Chou, 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 chou. Heureusement qu'il est là, mon coco. Oui, j'aime pas. Doucement, doucement, doucement.
Waouh, waouh. Ah, attends, deux secondes, hein. Vite, monte. Là. Oh. Oh putain, j'ai cru... Eh, j'allais te tuer, toi. J'allais tuer, le gars. Là. Oh, putain. Attention. Saloperie. Oh, bien. Oh, j'ai crevé. Oh. Ouais, ma mort imminente. Attends, je reviens en arrière si je peux pas prendre des... Comment on appelle ça, des... Si j'ai pas écrasé des schmurts, ça. Parce que là, franchement, avec 14 points de vie, je vais pas aller loin. Il me semble que j'en ai laissé quelques-uns au tout début. Non. Là-bas, ouais. Hop. Désolé, hein, ça fait tout un tour pour rien, mais j'ai pas le choix. Ça me permet de me remettre un peu de vie. Ah, il veut pas monter, saloperie. Ah, c'est fait exprès, c'est pas retourner en arrière. Bon. Ah, je peux pas retourner en arrière. Dommage que la combi du Freeman ne le protège pas des dommages externes. Oui, c'est dommage, effectivement. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins. Ah, bah là, il y en a. Hop. Hop. J'en avais pas vu qu'il était sur les murs. Allez, les gars. Je vais refaire une petite santé, là. Parce que j'entendais les bruits, je me dis, mais ça vient d'où, les bruits que j'entends? Et ben voilà. Ok, donc là, je viens d'y passer, hein. C'est bon. Pourquoi j'entendais un. Là. Voilà. Ok. Vous voyez comment on remonte de 14 à 45 en point de vie. C'est quand même plus jouable. Voilà. Hop, 51%. Quand on regarde un petit peu au-dessus. Allez, j'y suis. Maintenant, on sauvegarde ici. Oh, putain. Là, il y en a en haut. Ok, il n'y a plus rien. Allez. F6. On continue. Là-bas. Je bouge. Oh. Ah, saloperie. Attends, je me fais latter là. Et bouge toi, du con là.
Vas-y, avance. Non. Voilà, bouge. Voilà. Voilà, c'est ce que j'attends de toi, tu vois. Alors ça c'est rageant, ça c'est super rageant de se faire taper pour rien là comme ça. Il faut le choper. Là, 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 là. Voilà. Il y en a un deuxième normalement. Allez, arrive, 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 je te tire dessus moi. Allez. Allez, maintenant il devrait arriver là, du coup. Allez. Allez, avance. Viens. J'ai peur. Il est où? Il est là. Wow. Ah, il m'a eu quand même à ce con, hein. Il y en a un autre qui arrive là, Coco. Attention, niveau de toxine en augmentation. Il bouge pas, tranquille. Hey. Je me farcis tout le boulot là, Coco. Là, là, là. Il est là. Il est là, il est là. Il est juste là. Il y en a un autre là-bas au bout. Tu peux pas y aller, toi? Hein? L'homme. Allez. Oh, il bouge pas. Il bouge pas son cul, lui, hein. J'ai envie de mourir, quoi. Il est où? J'ai peur d'avancer, là, franchement, là. Alors, reprendre un petit peu de point de vie. F6. Allez, avance. Jusque là, tu bouges pas son. Votre combi montre des signes de faiblesse, Freeman. Bah ouais, mais t'es pas devant, Coco. Comment tu veux que j'y arrive, moi? Là. Ici. Oh. Ah, tant que ça bute contre le truc, moi ça me va. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est parfait. Allez, go. Putain, c'est horrible. Hein. Allez, F6. Je suis pressé d'en sortir, moi, de ces trucs-là. Hein. Je sens pas. Hein. J'aime pas le bruit. Prenez garde, Freeman. Putain. C'est une bombe. C'est jamais ce qu'on peut croiser au détour d'un couloir. Ok. On est arrivé là. Alors ce qu'on va faire plutôt avant de descendre, c'est qu'on va récupérer
La caisse qui est là. Voilà. Descends pas. Je veux pas descendre tout de suite. Voilà. Et on va les frapper. Hop là, doucement. Ici, F6. Et là, on est obligé de descendre. J'espère que ça va pas être là. J'ai cru que ça allait être le bordel. De des traces d'impression ancienne. La triste quelque part. Oh merde! Ouf! Ah, la surprise! La surprise, quoi! Allez! C'est bien les cocos. Allez, fanez. Voilà, pour un coup, j'ai son copain à faire. Hein. Voilà. Merci. Salut. Oula. Ok. Alors ça, tu vois, ça pue les trucs par terre là. Ça et on va jeter de là-bas. Voilà, boum. Parce que je me dis que ça va popper. Ok. Toi, ces mecs là par terre, là. Je me méfie. Hein. J'ai confiance. Le Freeman va trouver le moyen d'ouvrir cette porte. Ouais, et nous pourrons continuer ensemble. Oui, mon ami. Oui. Voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais. Allez. Oh, c'est quoi ces bruits? Oh, ça va se casser la gueule, ça. Alors, attends. Il faut peut-être pousser des caisses. Ah merde, non, pas cassé. Non. Comme le Freeman aime les résoudre. Voilà. Je vais observer avec impatience. Je pense que il faut mettre des choses dessus. Je peux pas passer là. Non. Je pense qu'il faut mettre des choses. Merde, tu vois ça. Oh merde. Shit. Et ça remonte en plus. Génial, ça me laisse tout seul maintenant. Magnifique. Ah, qu'est-ce que je suis heureux. Ah, j'entends. Voilà, boum. J'entends encore des bruits. On va se garder. Et on avance. Là, ici, là, il y en a un. Regarde, Coco. Viens là. Non. Ah. Putain, j'ai dépensé 3 balles pour toi. Hein. C'est pénible. Hein. Hop. Ça coûte cher, ces balles-là. Hein. Hop. Oh, merde. J'avais pas vu ce con. On peut passer ça là? Ouais, je pense. Voilà. Et viens par-dessus aussi. Bon. Là, il y a un truc là. Ok, on peut le prendre là, quelconque. Voilà. Je méfie ma mort. F6.
J'aime pas l'étoile d'araignée au-dessus, là. Lui, il va se lever, c'est sûr. Oh, bah, j'en doutais. Merde! Mais putain, pourquoi je... Oh, je dis, mais c'est pas possible de le louper comme ça. J'ai fait que de le louper, quoi. C'est un truc de fou. Donc là, c'est pour mettre en marche, je pense, le schmurtz. C'est pour mettre en marche ça. Il y a quelque chose en dessous, là. Attends, on va enlever la caisse. Tu vois, il y a des trucs en dessous. Attends. Voilà. Voilà, comme ça, je la sens partout. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va aller voir ce que ça nous mène à 6. Ok, ça lève le truc. Ah. Si la plaque descend, je suis mort. Non, ok. Alors, comment appuyer sur le bouton alors que je suis pas dessus? Tu peux me le dire, Coco? Alors, attends. Parce que là, tu vois, je suis kiblou. Voilà. Peut-être mettre des choses dessus hein, pour empêcher qu'il monte et libérer le poids. Il y a peut-être un poids maximum et du coup ça monte pas quand il y a des choses dessus, j'en sais rien. D'où les bidons qui sont là justement. Hop. Je me dis que chaque chose a peut-être son utilité. Hop. Si c'est pas ça, bah tant pis. Hop. Non, 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 non. Va pas foutre tout en l'air, toi. Oh. Hey. Je sais pas si c'est faisable, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, j'en sais rien. Arrête de tomber, toi. Voilà. On est bon, là? On est bon? J'ai un truc qui manque. Ça. Voilà. Alors, je sais pas du tout si c'est ça qu'il faut faire. Hein. Voilà. On va tester. Des fois qu'avec le poids il monterait pas, je monte dessus et je libère tout ce qu'il y a sur la plateforme et basta. Ok. Ah non, ça monte. Ah, hey, attendez-moi, j'allais même à la maison. Voilà, des fois que... Je pense que j'ai déclenché quelque chose, là. Quoi, j'en sais rien. Ouais, parce que depuis que j'ai fait ça, il y a quelque chose qui tire. Comment tu veux que je monte, moi? Merde. Je suis kiblou. Come on.
c'est mystère et boule de gomme pour moi. Alors, il faudrait que je sois avec mon copain en fait, l'autre là. Parce qu'on est d'accord, hein, je peux pas repartir en arrière, hein, c'est fini là. Ouais, je peux pas repartir en arrière là. Il y a une astuce. C'est un mètre, hein. C'est peut-être ça un mètre, hein, maintenant, j'en sais rien. Hop. Je peux pas l'activer de là. Hein. Non. C'est ça qui dure. Il faut peut-être bloquer la montée avec des trucs. Non. Non, ce que je fais, c'est n'importe quoi. Comment je pourrais bloquer ça, moi? Comme ça? En posant là, comme ça, et ça permettrait de... C'est pas nul ce que je fais, mais en posant comme ça. Merde. Merde. Là, je vois pas du tout comment. Puis ça remonte aussitôt, hein. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, c'est bizarre. Hein. C'est quand même space cette histoire. Ou bien il y a un truc que j'ai pas vu en bas de ça. Peut-être un petit conduit, je sais pas. C'est bizarre. On va garder. Parce que c'est quand même surprenant, quoi. Ben non, je confirme, hein, y a rien. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment je peux faire pour l'empêcher de monter? Attends. Qu'est-ce qui fait monter? C'est le câble. Attends. J'ai peut-être une solution. Peut-être une solution. Ouais, les trucs sont là-bas. Donc il faut bloquer le câble, là, c'est tout. Ah, attends, enfin c'est tout. C'est beaucoup de le dire, mais... On fait ça. Voilà, ça redescend, vous voyez ça? C'est ici. Alors il faudrait foutre un truc là. Coincé là-dedans. Vous voyez, un truc qui... Eh. T'es bien toi? Je me suis pris un point de dégâts, pourquoi? Est-ce qu'il est revenu dans ma tronche? Alors, est-ce que si je... Ouais. Ah! Oh, c'est lourd ce truc, ça me occasionne des dégâts quand ça me tombe dessus. Non. Mais apparemment, c'est super lourd ce machin. Non, ça tombe. Ça peut pas se coincer, ça.
comme ça me fait mal en tombant, ce qui me surprend. Parce que je n'ai pas testé l'option lourdeur avec ça. J'ai testé avec les... Oh, oh. J'ai pas testé l'option lourdeur, mais... Il y a même un troisième, là. J'ai même pas vu qu'il y en avait trois. S'il y a une raison, hein, c'est pas possible. Il y a une raison, il y a une bonne raison. Hein. Voilà. Je vois si on n'a pas d'autres cachés dans un coin. Alors non. Bon bah écoute, on va tester ça. Hein. Ah, ça reste bloqué. C'est bon. C'est ça qu'il fallait faire. Oh là là, c'est tout con, hein, franchement. Voilà. Alors par contre là. Voilà, et là on va monter doucement, je vais le laisser quand même. Monter doucement. F6. Et là je m'attends à être attaqué là. Ouais, là. Collection de larves, 111 sur 333. Apparemment, il y a des collections de larves à faire. Et j'en ai 111 sur 133. Super. Alors, est-ce que je vais pouvoir ouvrir la porte? Oui, avec ça. Le Freeman est un compagnon indispensable. Ouais, ouais. C'est ça, c'est moi qui fais tout, garçon. Hein. Allez. C'est moi qui fais tout. Allez, va mettre l'énergie là dans ce truc-là. Allez. C'est le générateur qui a besoin d'un vortigant pour fonctionner. Ouais. Ah, ça reste collé là. Bof. J'aime pas ce lieu. J'aime pas, j'aime pas. J'ai l'impression que si je monte dessus, je vais me faire. Je vais me faire inspirer. Je préfère faire ça. Oh ah ah. Je m'en doutais qu'il y avait une sorte de piège là. Eh ouais. J'espère que nos rêves ne les suivent pas. Ouais, t'es rigolo, toi. Là. Ici. Bien joué. Oh. Putain, il m'a fait peur, ce con. Ah ça y est, c'est la merde. Ah trop tôt. Une sorte d'alien là qui arrive là. Ah, il y a un mec là. Mais mon arme. Attention, niveau de toxine en augmentation. Ouais, t'as raison. Il y en a un en haut là. Là, ici. Oh, tchao.
Oh putain, ils sont... Putain, ils sont chiants. Allez, occupe-toi-en, Coco. Non, viens pas vers moi. Va t'en occuper. Allez. Oh là là, dur. Dur, dur, dur. C'est dur. Allez. Ok. Là, il y a un truc là. Là. C'est bon. Allez, on avance. F6. J'aime pas les petits coins comme ça là. Ok, je dois. Le prochain obstacle sur votre liste interminable. Je sais pas, mais là je vais monter, tu vois. Hop. J'aime pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va me sauter à la figure là. Oh là là, j'aime pas. Il y a des trucs qui craquent dans tous les sens. Alors lui, je pense qu'il va se lever. Ou ça va se péter, mais d'une force. Alors attends. Par sécurité. Voilà. Sait-on jamais. Balle en pleine tête, au cas où. Balle en pleine tête, au cas où, mais j'ai peur. Allez. Je sens le truc qui va tomber de là. Ou d'ici. N'ayez crainte, Freeman. Je vous suis. Ah bon? T'es où? Faut pas que je tombe là-dedans quand même. De toute façon, je peux pas. Ah là, il y a un truc là. What? Ça va péter! Ça va péter! Ça va. Ouais, alors qu'est-ce que je fais maintenant que je suis là, que je suis enfermé là, Coco, hein? Tu peux me dire là? Parce que là, il me suit, il est bien sympa le mec, hein? Mais tu me suis pourquoi? Alors, est-ce qu'il faut pas mettre justement une bombe là-dedans? Voilà, hop. Je sais pas, hein? De garçon, tu bouges là? Ah oui, il y a un truc en dessous là. En fait, faut que ça se pète la figure ou ça tombe ou j'en sais rien. Ou faut le faire bouger. Voilà. Regardez. Voilà, et hop! Oh putain! Oh le truc de malade! Waouh! Waouh! C'est un truc de malade! Waouh! C'est quoi ça? Ben dis donc, là j'ai ma dose hein, d'émotion perso. Impressionnant quoi. Oh, elle m'a fait peur ce con. Ouais, mais tu m'as fait peur du con. Hein. Ah, franchement, plutôt sympa ce truc. Hein. Franchement, très très bien quoi. Thank you.
Allez, comme je dois, de toute façon, j'ai un petit trophée par rapport au truc que je suis. Voilà. Allez. Alors du coup, je sais plus où il faut aller. Je sais pas s'il faut aller là ou remonter ici. J'en sais rien en fait. Je pense que... Attends, je viens d'où, moi? Ah, il y a des trucs sympas, là. Pour les armures. Putain. Ok, on était là tout à l'heure et on est arrivé là, sur l'arrière. Ok, j'ai compris. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis, parce que là, j'ai eu ma petite dose d'émotion pour terminer ce level, et puis on va se mettre en position ici. Et puis, lors de la partie 3, ben, on continuera à explorer les cavernes, et franchement, ouais, tip top au niveau de la surprise, là, franchement, waouh, impressionnant. Allez, sur ce, je vous laisse. Si vous avez bien aimé, vous pouvez mettre des likes, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner si vous souhaitez pour rien louper. Et moi, je vous dis salut les amis, ciao, bye.